Salut les amis, c'est Bigouf, très heureux de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo dans World of Tank Blitz. Alors désolé pour mon absence hein, qui a été assez longue, c'est vrai que ces derniers temps je ne sortais pas beaucoup de vidéos. Mais bon voilà, la vie de famille, le travail, enfin bref, la vie privée a l'emporté un petit peu sur le jeu. Mais aujourd'hui je suis présent et on va repartir sur de bonnes bases. Nous allons parler aujourd'hui, pour commencer à nouveau les vidéos, nous allons parler de la boutique. Et oui, comme vous pouvez le constater, hein, nous avons un nouveau char qui fait son apparition dans la famille des Defenders, le fameux MK1. Alors je ne sais pas, vous me direz au pire dans les commentaires, est-ce qu'on peut dire le Mark 1 ? Voilà, vous me direz ça dans les commentaires. Nous, on va l'appeler le MK1, parce que voilà. Mais voilà, c'est un petit nouveau qui fait partie des familles de Defenders, c'est un médium. Alors nous allons regarder tout ça en détail. Alors vous pouvez l'avoir, le pack ultime à 25 500 pièces d'or. Vous aurez hein, le fameux IS-3 Defender, le T28 Defender et donc forcément ce MK1 Defender. Bien sûr, tout ça vous accompagnera des 3 places de garage, plus des équipements hein, pour chaque char, donc les 9 équipements pour chaque char, ainsi qu'un avatar légendaire du cœur courageux. Bon, limite, l'avatar, hein, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ou alors, vous avez la possibilité, hein, pour ceux qui sont comme moi, qui sont collectionneurs et qui possédaient déjà l'IS-3 et le T28, possibilité de l'acheter séparément. Bon, bien sûr, ça fait mal hein, quand même, 15 000 pièces d'or. Après, j'ai envie de vous dire, il est nouveau. C'est un peu normal, hein, quand il sortira plus tard, je pense que ça fera comme la famille de l'IS-3 et puis de. L'IS-3 et le T28, ils descendront en prix, mais là pour l'instant, voilà, il a 15 000 pièces d'or. Donc là, vous aurez juste le char plus la place de garage, forcément, qui va avec, et l'avatar légendaire du cœur courageux. Donc ça ne change pas. Ou alors, vous avez la possibilité, pour ceux d'ailleurs qui ne les possèdent toujours pas, hein, d'acheter séparément le fameux T28 Defender qui est un TD pour 8 500 pièces d'or, comme l'IS-3 qui, lui, est un lourd. Alors, je pense que peut-être dans la famille, hein, plus tard, on aura peut-être un light. Je ne sais pas, mais là, voilà. On a le fameux lourd, donc le premier Defender qui avait fait son apparition, c'était lui. Ensuite, nous avons le TD qui avait fait son... qui avait été présenté. Et maintenant, c'est lui. Donc, nous, on va s'intéresser surtout à lui. On va regarder très rapidement ses caractéristiques. Bon, bref, vous pouvez les voir aussi. Hein, donc, c'est ça qui est bien, c'est que on peut regarder directement. Hein, vous avez le petit œil qui est en bas, à gauche de votre écran, qui vous permet de voir les caractéristiques. Donc, comme on peut voir, un point de structure, on est à 1540 au niveau de son blindage principal. Au niveau de sa tourelle, on est à 254 à l'avant, 90 sur les côtés comme à l'arrière. Au niveau de sa caisse, nous sommes à 76 à l'avant, 52 sur les côtés et 40 à l'arrière. Donc je vous dis, faites attention de ne pas prendre une hache dans le cucu parce que ça pourrait faire mal. Ensuite, risque d'incendie, nous sommes à 20%. Portée de vue, on est à 308 mètres. En termes de dissimulation, bon, après, on va pas se lire l'historique. Hein. Ça, je vous laisserai regarder directement. Nous, ce qui nous intéresse directement, c'est au niveau de ses dégâts. On peut quand même atteindre les 2077 dégâts par minute. Et oui, c'est un canon à 4 obus. Alors, c'est pas un autoloader. Hein. Je ne sais pas si je le dis bien, si c'est bien ça. Donc là, c'est vous avez 4 obus dans le barillet. Hein. Il faudra vider intégralement les 4 obus pour pouvoir recharger le barillet intégralement. Hein. Il ne se rechargera pas au fil du temps. Alors, pour ceux qui ne savent pas comment recharger un barillet, hein, il suffit de cliquer 2 fois sur la touche de munitions et vous rechargez directement l'intégralité de votre barillet. Donc, en termes de dégâts sur les obus classiques, nous sommes à 190. Sur les performants rigides composites, donc qui est appelé les obus gold, hein, on est à 160. Et en termes d'explosifs, on est à 250. En termes de pénétration, j'ai commencé par la fin. En termes de pénétration, nous sommes à 226 à la standard, 258 à la gold et 42 à l'explosif. Donc là, à feu, hein, absolument. Temps de visée, on a 2 secondes 8, ok. En termes d'élévation et de dépression, alors l'élévation, hein, c'est le canon à regarder vers le haut. La dépression, pour les nouveaux, c'est celle à regarder vers le bas. Donc on est à 18 degrés vers le haut et 10 degrés vers le bas. Ensuite, en termes de maniabilité, sa vitesse maximale est de 46 km/h en marche avant et de 20 en marche arrière. Sa vitesse moyenne est estimée à 40 km/h. En termes de puissance, on est à 1092,5 chevaux. Hein. Alors, c'est un moteur, hybride, hein, un moteur à pile. Mais on va voir ça directement. Alors, moi, ce que je vous propose pour se remettre un petit peu dans le bain, aujourd'hui, on va se faire un petit tour sur tous les Defenders. On va commencer par, pour moi, le plus détesté, c'est le TD. Je ne suis pas spécialement fan des TD, quoique ces derniers temps, je les joue un petit peu plus, mais c'est vrai que je ne suis pas spécialement fan des TD. On va démarrer sur ce T28 Defender, ensuite on partira avec cet IS-3, et on finira le bal avec ce fameux MK1, directement à médium. Alors c'est pareil, on va voir si je vais m'en sortir, je ne suis pas sûr, mais bon,
on perd tout, hein. Vous connaissez Bigouf, hein, ça n'a pas changé. Là, on va voir comment on va se dépatouiller. Alors par contre, je ne vais pas partir seul, hein, parce que c'est pas évident non plus de partir tout seul. On va voir si on va y arriver. Je vais inviter mon cher ami, donc qui est ici présent. Non, ça c'est mon clan, c'est pas ça, c'est ici. Mon cher ami Derjager qui est là. Voilà, j'ai fait invitation. Donc salut à toi mon cher Derjager, comment vas-tu ? Salut Bigouf, ça va très bien et toi ? Eh ben écoute, ça va, hein, j'espère qu'on va avoir de la chance sur le terrain. J'espère que tu es motivé. Je suis motivé. Et je suis en forme. Un peu plus que là tout à l'heure. Absolument, oui, parce que c'est vrai qu'on a essayé une petite vidéo pour se remettre un petit peu dans le jus et on s'est fait éclater, hein, faut le dire clairement. Laminé. C'est pas un petit 7-0 normal, quoi. Alors, donc je t'invite à mettre ton char et puis bah moi je vais partir avec ce fameux T28 Defender. C'est parti. Absolument, ouais. Alors, donc là nous sommes lotière. Ça roule. Hop, excusez-moi, j'avais un petit truc sur l'écran et c'est pour ça que je suis parti dans le ciel. Alors en plus, forcément, on part en suprématie avec ce type de char, c'est pas le meilleur. Ouais, bon, écoute, on va. Ouais, bah de toute façon, moi c'est pareil, hein, je vais. Mmh. Oh, j'adore l'animation de cet avion qui se crache au démarrage. Boum! A tout cassé. Hein? C'est ça. Ouais, non, mais bon. Non, c'est ça. On en parlera plus tard. Oui. J'arrive, camarade. Je suis derrière ton cucu, attention. Je vois. Allez, c'est parti. Pour le T49, attention. Je prépare la petite HE. Bam! Et elle est passée. Lui, il est content d'être venu. Oh, je crois qu'à mon avis, notre chef. Oh, allez, je le sors. Ça sera. Allez. Voilà. Hop, et une petite tourelle pour commencer. Attention. Attention WZ qui se trouve. Hop là. Ah, il a raté. Par contre, fais gaffe au WZ qui se trouve dans le. Là-bas, dans le coin là. Regarde, fais gaffe au WZ, il te regarde là-bas. Ouais, attends, moi je vais tenter. Je crois que j'ai dû emmerder le. Oh, tu vois. Oh, il est tout rouge, eh. Oh, bah c'est pas grave, ça passe quand même. Par contre, Bigouf, là, si tu restes là, tu vas te faire sortir comme un cochon. Voilà. Par contre, je suis assez mal en point. J'ai pris une de ces cartouches des familles, mais bien comme il faut. Ouais, mais je fais gaffe, moi, c'est à l'IS-8, là, parce que là, à mon avis... Alors, regardez, les amis, si vous avez besoin de recharger, admettons, vous appuyez deux fois sur votre munition, et là, voilà. Alors, par contre, bien sûr, hein, j'ai quand même... Ah, c'est bon, il l'a sorti. Par contre, si tu peux rester en renfort avec moi, ça m'aiderait, parce que là, je suis assez mal en point, là. Non, reste près de moi au cas où, parce qu'il y a le T28 Defender, lui, il est full life, et il est accompagné de... Alors, je sais pas c'est lequel derrière, mais... Ouais. Allez, je vais tenter... Ah, le Chimera, voilà. Je vais tenter le Chimera, moi. Vu qu'il regarde à l'ouest, parfait. Non, j'ai le défendeur qui vient sur moi. J'ai le défendeur. Oh, il m'a raté. Oui. Ah, là, c'est bon, ça. Ah. Allez, je vais recharger encore une fois. Donc, comme vous pouvez voir, les amis, hein, on est quand même à 20 secondes de reload. Donc, faites vraiment attention quand vous rechargez quand même votre barillet. Oh, j'y vais, allez, même si je me fais sortir, c'est pas grave, je suis un thug. En fait, non, je vais pas y aller. Oh, puis si, j'y vais, allez. Allez, est-ce qu'il va être pour nous? Est-ce qu'il va être pour nous? Oui! Absolument, ouais. Eh, bah, c'est bien, ça. Ça fait plaisir. Ah, oula, bah, tu vois, et comme je disais, voilà, ce qui m'énerve un petit peu, c'est le comportement des joueurs. Voilà, il n'a pas accepté sa défaite. Donc, tout de suite, hein, c'est parti en vrille. Alors, qu'est-ce que nous avons fait pour cette première partie? Oui, bah après, comme je dis, le principal, t'es quand même resté en vie, donc ça fait vraiment plaisir. Je viens de sortir un LOL live,
c'était le principal. Absolument. On a fait quand même 2614 avec 4 kills, ouais. Bon, t'as fait 417, c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est genre un shot. Ok, ça marche. Bon, bah écoute, au moins voilà. Je me dis c'est bien parce que le TD et le pire, c'était vraiment celui-là que j'avais plus ma hantise indirectement. Et bah au moins ça s'est bien passé. Maintenant, même si ça se passe mal, j'ai envie de te dire, c'est pas grave. Allez, on va partir avec cet IS-3 Defender maintenant. Donc là, c'est un lourd, hein, les amis. Ok, qu'est-ce que je vais prendre? Petit indien PZ. Un petit indien. Ok. Ah, là en plus c'est cool, on est top tier. Alors, qu'est-ce que nous avons en face? L'RHM, ouais. T49 Hornet, yeah. Ouais, bah je crois que ça va se passer. Hein, plus sur notre droite. Oh, là ça va être plus sur la droite, hein. Il y a beaucoup de médiums. Bah, ouais, le problème c'est que tout le monde se barre à gauche. Okay. Bon, c'est pas grave. Oh non, va doucement, va avec le groupe, t'amuses pas à partir tout seul parce que... Ah ouais, je sais pas, je la sens pas trop celle-là. Alors ok, ça capte, parfait. Alors, nous, on va passer là. Alors, le T43 qui est planqué là. Ouais. Alors, je suis pas spoté pour l'instant... Ah, par contre, je fais gaffe parce qu'il y en a deux. Attends, je me suis loupé dans mes boutons. Oh, le RHM. Attention au RHM qui va arriver. Alors, lui, j'y prépare la petite HE des familles, mais c'est pas la peine. Est-ce que les véhicules en eux-mêmes font la dissimulation? Non, je pense pas qu'ils dissimulent le... C'est un peu comme les buissons. Ah, ça y est, je suis détecté. Il y a le panthère qui est là-bas. Je fais gaffe parce que regarde là-bas, en face de toi, il y a le... Je vais tenter d'y en mettre une à lui là-bas. Eh ben là, j'ai mon obus qui est parti au sol. Ouais, dommage. Alors par contre, comme vous pouvez le voir, les amis, on est à 7 secondes 5 de reload entre chaque obus. Donc là, c'est quand même assez long. Allez, je vais retenter la petite... On va voir, on va patienter, on prend notre temps. Et là, on lui place, ça marche. 450 dégâts quand même, hein. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Alors je vais retenter, je pense qu'il va... Alors attendez, je vais essayer une tactique. Par contre... est-ce que vous croyez que ça pourrait passer? Je prépare la HE pour lui là-bas. Est-ce qu'il va essayer de sortir ou pas? Bon, on en a perdu un. Par contre, il va peut-être falloir que je me décide de... je vais reprendre la standard. Ah, je suis spot, je fais gaffe. Ah, je... Je sais même pas pourquoi j'ai dit... Pourquoi j'ai touché mon bouton de tir, c'est pas ce que je voulais faire, bon c'est pas grave. Ok. Par contre, il y a le panthère qui vient là. Et là, je suis en reload. Je suis en reload, attends, je t'embête un petit peu le... Allez, dépêche-toi de recharger, dépêche-toi. Il a tiré, parfait, à mon tour. Oh oui, vas-y. Hop là. Normalement, ouais, voilà. Ça roule. Par contre, j'ai perdu de vue ce RHM. Je ne sais plus où il est. Ah bah il est là. Oh la vache, on a perdu 3 quand même. Je vais, essayer de tenter de la petite HE des familles là. Ouais. Ouais, par contre là... Attends, je vais essayer de le ramer. Si je peux lui faire un peu de dégâts, ça serait bien. Allez, allez, allez. Dépêche-toi. Dommage, j'ai mis trop de temps. J'ai mis trop de temps. Là, ça va être tendu, là. Ah oh, bah, il est là, lui. T'as vu? Je l'ai pas vu. Ah, il est pas vu, lui. Yeah. Par contre, je crois que ça va être... Oh, il est tout rouge, le monsieur. Aïe. Bon, bah, là, on va y aller à la gode, les amis, hein, alors... Quoique, tu me diras si je le colle. Par contre, c'est qui va venir? Oh, la vache. Non. Ouais. Je vais tendre... Oh, la HE qui a foiré. La HE qui a foiré. Non. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Et si je peux t'en sortir. Oh. Oh du genre. Je l'ai même pas eu. Oh, la violation, mais pas bien. Voilà, il est content. Ah ah ah. Bah oui, tu m'étonnes qu'il est content.
À bout portant, je t'ai complètement raté. Bon, bah c'est pas grave. Allez, qu'est-ce qu'on a fait en termes de score? 2220 en termes de dégâts. Bon, bah c'est bien. Bon, malheureusement, notre VK qui a fait 0. Bon, bah ça, c'est pas grave. Hein. Ah, tu t'es amélioré quand même. T'es arrivé sur les 939. Tu as peut-être dépassé les 1000 pour la dernière. Hein. Pardon? Tu as peut-être dépassé les 1000 pour la dernière. Effectivement. En tout cas, ce qu'on peut en dire, les amis, c'est qu'en termes de crédit, on est quand même en positif. Donc ça, ça fait plaisir. On est à 33 888. Alors, comme vous le savez, pour les nouveaux, je pars toujours à la base hors premium. Hein. On est quand même à 9 980 pour une partie. Bon, malheureusement, une défaite, mais quand même, voilà, on est quand même en vert. Allez, maintenant, ce que je te propose, Ayager, pour terminer le bal, on va partir avec ce fameux MK1. Donc là, c'est vraiment le nouveau hein, de la famille des Defenders. On va voir un petit peu ça. Et puis, bah, surtout, on va croiser les doigts, parce que voilà, c'est pas trop ma tasse de thé, les médiums. Donc, on va croiser vraiment les doigts pour ce fameux MK1. Ok, c'est parti, alors. Absolument, ouais. Ce MK1 anglais, si je ne m'abuse, c'est plus cher, c'est ça? J'ai pas compris là, tu peux expliquer, tu peux redire? C'est le MK1, il est anglais, je prononce ça. Ouais, c'est, oui, c'est ça, ouais. C'est le nouveau dont tu parlais. Il me semble, ouais, ça a été tiré une partie. Bah, de toute façon, ils ont fait un petit film dessus. Bon, bah, c'est assez sympa, je trouve, original. Il est tout beau. Alors, regardez un petit peu la puissance de ce moteur quand vous démarrez, regardez. Ah, il fait de l'électricité partout. Alors, par contre, je pense que je vais rester groupir moi aussi. Hein. On va rester groupir. Surtout faire gaffe avec ces... Alors, je sais pas vous, alors hier, j'ai fait quelques parties et j'avais du... comment, un loose. Alors, loose, vous savez, c'est le truc de défaut, là, des connexions Internet, là. J'avais mes chars, mais ça faisait Robocop, c'était atroce pour jouer. Est-ce que... Non. J'allais dire, est-ce que je peux peut-être en mettre une petite à lui, mais non. Alors attends, ça va toi? Ah, tu en as déjà pris une? Oula! Alors, Zarive, mon copain, Zarive. Attention, je suis derrière toi. Je suis là. Ah ouais. Piou! Yo! Ouais, en tout cas, il en a pris deux. Ouais. Allez, je tente. Voilà, super. Oula, fais gaffe, en face de toi. Yo, 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 yo. Il va tenter de me sortir. Non. Ah, puis j'ai pas fini de recharger. Ouais. Alors, attends, je vais tenter au pire de jouer la track, si j'arrive, bien sûr. Attends, j'ai essayé de le choper. Oh oh. Oh, qu'est-ce qu'il fait là lui? Oh oh, là c'est moi qui est mort, ouais. Ouais, non, alors par contre, là on s'est fait violer, mais ouais, bon, enfin tu me diras après, moi j'ai été aussi bête à ce moment-là, c'est que j'ai regardé. J'ai un petit peu trop regardé. Oh la vache, ils m'ont décapé. Et si on gagne par capture de base, franchement, balèze. 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 Oh la vache, on a win par capture de base. Oh, Zoli. Eh, en tout cas, c'est marrant parce que quand tu regardes, je te disais, c'est toi qui allais dépasser les 1000 points de dégâts. Bah, au final, c'est moi qui n'ai pas fait les 1000 points de dégâts. J'en ai fait 974. Et toi qui en as fait 1531. Bravo à toi. C'est relatif, merci. Bon, malheureusement les amis, je suis désolé hein, parce qu'on a fait une défaite avec ce nouveau char. C'est un petit peu dommage, mais au moins on va dire le truc que j'ai, c'est que au moins j'en aurais eu quand même un, même si je me serais fait sortir parce que voilà, j'ai fait n'importe quoi. Hein, mais bon, on a quand même gagné. Voilà, par capture de base, ça paraît un peu lâche. On s'est pas bagarré. Non, c'est vrai que c'est facile. Déception. C'est ça. En tout cas, voilà ce qui peut rapporter malgré cette mauvaise bataille. Quand on regarde, hein, malgré cette défaite, nous sommes quand même à 22 814 de crédit sans premium. Bon, bah, ça, c'est des XP. Donc, mine de rien, il rapporte quand même pas mal en termes de crédit hein, au final. Ah,
un bon même idée que... Je pense qu'à mon avis, ouais, pour les professionnels d'entre vous qui auront ce bébé dans les bars, dans les doigts, entre les doigts, pardon, je pense que vous ferez quand même beaucoup de pognon. Au pire, moi, j'attends de voir ça un petit peu. C'est bon, ce sera peut-être pas mon cas, mais moi, j'attends de voir ça. Bon, bah écoute, pour cette première vidéo, les amis, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, derrière Gare, je te remercie grandement d'avoir participé avec moi de la présentation de la famille des Defenders. Avec plaisir, hein, comme toujours. Et puis, bah, comme je vous le dis aussi, hein, n'hésitez pas à aller checker les vidéos de Derjager, hein, il fait des sacrés montages, il y a du sacré boulot, et puis c'est surtout de l'amusement, donc un peu mon style de jeu que je vois dans World of Tanks Blitz, parce que voilà, comme je l'ai toujours dit, je me répète, hein, je ne suis pas professionnel, loin de l'être, moi je prends le jeu pour un plaisir, même si bon, le but c'est quand même de gagner, d'essayer d'avoir un minimum de tactique, même si je ne suis pas professionnel, mais voilà, il faut vraiment pas se prendre la tête, hein, on joue pas notre vie, on n'est pas dans une compétition, donc restez cool et profitez. Allez Derjager, je te souhaite encore toutes bien bonnes choses pour ces prochaines batailles, et puis bah vous les amis. Merci, toi aussi, une très bonne soirée et de très bonnes battles. Absolument, et vous les amis, bah comme d'habitude, hein, on va reprendre notre petite vidéo, on va refaire comme on repartait avant. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter si elle vous a plu, et on se retrouve très prochainement pour une prochaine aventure. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Salut Derjager et salut à tous, ciao ciao.